Bonjour, donc petite consigne pour la séance du jour. Vous pouvez, alors il y a deux temps. Le premier, ça serait de réussir à se voir et à discuter dans ce salon. Donc moi je suis connecté sur mon adresse dans le Terre Atlantique. Je vais aller dans le chat. Et puis ici, j'ai le salon. Tiens, d'ailleurs, il y a déjà Sofiane et il y a déjà Florian. Donc ça serait d'attendre ce salon et je pense que ils y sont arrivés probablement. Alors, ils y sont arrivés probablement en passant par Pronote et en suivant le lien en étant connectés. Ça c'est bon. La deuxième étape, les consignes, ben justement, c'est de profiter de ce chat pour vous expliquer de visu donc où vous êtes censé en être et ce que vous devez faire pendant les 2 heures. Et le type de rendu que j'envisage de vous demander. Donc sur la première, donc la semaine dernière, première semaine de confinement, vous êtes censé avoir regardé, hop, pardon, ces 3 vidéos sur YouTube et puis d'avoir complété avec vos notes. Bien. À la deuxième partie, donc on la commence cette semaine sur les 2 heures de 10h à midi. Vous devez visualiser cette vidéo, remplacer mes petits XX ici par, donc là c'est sûrement un saut de page malencontreux, par les mots qui sont ici, toc, donc ils sont censés retrouver leur place là, et c'est. Eh bien, et je peux répondre au placement de ces petits mots là en ayant regardé la vidéo du dessus, donc sur le fonctionnement d'un appareil photo numérique. Et puis après, vous avez ici une deuxième vidéo que vous pouvez regarder qui est très intéressante et qui vous présente les étapes de la prise de vue numérique, hop, jusqu'à l'obtention des données RAW. Et puis après, le dématrissage, balance des blancs, et puis etc. etc. Donc regardez-les. Pour cette deuxième vidéo, je n'ai pas joué avec mes petits X, mais vous avez le résumé qui est là. Et en fait, moi je ne savais pas, hein, je savais pas plein de trucs. Alors les images brutes, RAW, ça je les connaissais. Et puis après, par contre, la suite, le dématrissage, la balance des blancs, je n'avais pas du tout connaissance. Ni non plus, enfin du fonctionnement, et je n'avais pas connaissance non plus du fait qu'il y a 2 fois plus de pixels verts que de bleu ou de rouge. Voilà, donc ça c'est fait. Alors, ce que j'envisage de vous demander pour la semaine prochaine, c'est autant que faire se peut d'installer Gimp, parce que je vais en avoir besoin. Alors, Gimp, 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 et bien pour l'installer, soit vous passez par tous les liens et puis vous trouvez Gimp, donc tiens, je vais le passer comme ça. C'est pas forcément la solution la plus rapide. Tiens, je vais même mettre tous les téléchargements. Zou, je tombe là-dessus. Et puis là, vous avez donc lien vers les sites des logiciels utilisés en cours. Vous allez trouver Gimp là. Hop, suffit de cliquer dessus. Et ça vous envoie sur la page de téléchargement. C'est l'occasion de vérifier. Ok, ça marche. Donc c'est la 2.10.18 actuellement. Ou alors, ben vous tapez directement télécharger Gimp et puis vous essayez de trouver un truc gimp.org. Là, le lien. Voilà, donc fin de mes consignes en espérant avoir été clair en 3 minutes 49.